À partir de ce soir, ce sera toi, mon nouveau meilleur ami. Ta surprise... T'es sûre que tu peux pas me la donner ici? Catégorique. Oh, tu me stresses maintenant. Et si jamais elle te plaît pas? Évidemment qu'elle va me plaire. Tout ça est tellement excitant. Attends-moi ici, pendant que je finis de la préparer, ok? Pas ici. Tu ne tomberais pas d'assez haut. S'il y a bien un truc qui va me manquer, c'est l'escalade thérapeutique. Je sais que ce sera la première chose que je ferai en arrivant à New York. Ah, là c'est bien. Ferme les yeux et donne-moi la main. N'ouvre pas encore les yeux. Avance un peu et assieds-toi. Là, par terre. Ok. Prête. Ouvre les yeux et fais un vœu. Tu vas tellement me manquer. Souffle. Est-ce que je t'ai rencontré aussi tard, alors que je savais déjà que j'allais partir? Tu veux vraiment t'amuser? C'est quoi? C'est ma façon de te remercier pour la meilleure semaine de ma vie. Mais... Véronica... Allez, tu te tires de cet asile de fou demain. C'est ta dernière chance de faire un truc de dingue. J'ai jamais bu d'alcool. Ouh, on joue à je n'ai jamais jamais. À mon tour de boire alors. Je n'ai jamais jamais été à New York. Tricheuse, coupable. Ouais, tu sais. Dégueulasse. On s'y habitue vite. À ton tour. Je n'ai jamais, jamais embrassé de garçon. Et une fille, alors? Véronica. Bon, de toute façon... Je n'ai jamais, jamais... eu une chambre rien que pour moi. Ah bon? Mais ici... Ici, ça compte pas. C'est pas la vraie vie. J'avais une très jolie chambre dans la maison de ma grand-mère. Et demain, tu vas retourner vivre là-bas? Dis-moi tout sur elle. Ouais, c'est vraiment une chouette baraque. Et puis New York est tellement cool. Mais c'est à mon tour! Je n'ai jamais, jamais préparé moi-même mon petit-déj. Sérieux? À la maison, la bonne s'en chargeait. Et ici, va savoir. Moi non plus.
J'ai jamais préparé moi-même mon petit-déj, donc je bois pas. Je n'ai jamais, jamais vécu chez ma grand-mère. Tu dis ça parce que je t'ai dit que j'habitais chez ma grand-mère avant d'atterrir ici. Tu m'as quasiment jamais parlé d'elle. Oh, elle est cool, je sais pas trop quoi t'en dire. Et demain, tu vas retourner vivre avec elle? Je veux tout savoir à son sujet. Et c'est une grand-mère vraiment cool. Elle ressemble même pas à une grand-mère. Tu la verrais courir dans les escaliers, on dirait Rocky. À mon tour. Je n'ai jamais, jamais... Viens voir. Je veux que tu ressentes le truc le plus cool que tu ressentiras jamais dans ta vie. Je crois que j'ai un peu froid. Suis-moi. J'ai la trouille. Enlève tes pompes. Tu t'accrocheras mieux à la poutre. Mais j'ai peur. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que c'était la dernière nuit pour faire des trucs de dingue. En plus, je suis pas que ta BFF, je suis aussi la meilleure grimpeuse de toute cette maison de fous. Tu peux pas être plus en sécurité. Mais je suis un petit peu bourrée. Donne-moi tes lunettes, comme ça tu verras moins flou. Je serai juste derrière toi. Comme ça, je te tiens. Chaque pas que tu feras sera comme si tu volais au-dessus de chaque chose qui t'a fait du mal. Véronica ? Quand je serai plus ici, on restera quand même amis ? Tu feras à jamais partie de moi, ok? Tête la première. T'as vu ce que t'as fait? Je te hais. Je dois parler à Ed. Laissez-moi vérifier si j'ai bien tout suivi. Cette liste recense toutes les filles d'un soir et les fans qui pourraient en avoir après vous, et pour de bonnes raisons? Non, non, non. On ne peut pas vraiment dire ça. Ah, vous m'avez fait peur. Votre liste fait 3 pages de long. Il y a juste celle dont je me souviens. J'ai perdu contact avec les autres, ou complètement oublié leur nom. Le chiffre à gauche des noms est mon estimation de leur niveau de rancœur, si ça peut aider. Ça peut aider? Enfin bref, vous vouliez me parler de quelque chose d'important? Pourquoi Véronica Carrigan n'est pas sur cette liste? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Cela va vous paraître bizarre, mais... j'aurais besoin que vous me racontiez ce qui s'est passé. Vous jouez à quoi exactement, là, docteur? À...
Ed Miller, un jour, un traumatisme d'enfance ? Ed. Loin de moi l'idée de vouloir ternir sa mémoire, mais je n'en ai pas gardé un très bon souvenir. Elle était complètement timbrée. Mais c'était qu'une gamine et la fille d'un ami très proche. Du moins, à l'époque. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Bon, bah c'est vraiment pour vous. Ma puce, qu'est-ce que ce pauvre pain t'a fait pour que tu aies envie de le massacrer comme ça? Je sais pas. Ça m'amuse. On peut aller au ciné? Oui, si tu veux. Si tu prends bien ton médicament, on ira ce week-end. Papa! Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Voilà qui est mieux. On peut aller au ciné aujourd'hui ? Oh, pas aujourd'hui, j'ai du travail. T'as toujours du travail ? Ma puce, j'ai rendez-vous avec Ed Miller à 17h pour... Encore Ed Miller. Tu n'as pas aimé les vacances de l'été dernier ? Eh bien, nous n'aurions jamais pu aller nous promener à Paris ou à Rome sans la tournée de promotion du livre de Miller. Il y en a toujours que pour Miller. Et c'est très bien comme ça. Si son second livre remporte le même succès que le premier, je n'aurai plus aucun problème pour passer plein de temps avec toi. De plus, c'est un chic type et il t'aime beaucoup. Donc essaie d'être un peu plus gentil avec lui. Mais c'est juste... Ma puce, je dois me préparer, sinon je vais être en retard. On en reparlera plus tard. Véronica, ma chérie, ce n'est pas de la faute de Ed si tu t'es coupée. Ce n'était pas son boulot de ramasser des morceaux de verre. Je ferais mieux de trouver un meilleur plan. Non. Et s'il arrivait quelque chose à papa ? Des pilules, j'en ai plein. Mais il saurait qu'il s'agit des miennes. Je sais pas de quel côté il faut la tourner. Je ne sais pas, moi. Essaye vers la gauche. Mais vers la gauche, ça fait rien. Eh bien, essaye vers la droite.
j'ai eu très peur, papa. Oh, allons, rassure-toi, ce n'était rien du tout. Non, je t'aime tellement, mon papa. Mais je t'aime aussi, ma chérie. Allez, on se bouge. Je vais être en retard à ma réunion et tu vas arriver en retard à l'école. Oh, ça va. Le bus ne sera pas là avant 45 minutes. Ok. Mais ne te laisse pas distraire, sinon tu vas encore le rater. Arrête de baver dessus comme ça. Un peu de patience. Plus que 10 mois avant ton anniversaire. Et une promesse est une promesse. C'est qui, la petite chérie à son papa? Véronica. Allez, sois sage. Bien sûr. 45 minutes. Tout allait si bien jusqu'à ce que Miller se pointe. Papa est à moi. Et tout va redevenir comme avant. Ce sera parfait. Mademoiselle Véronica, le bus! J'arrive, Reginald! Vous allez encore le louper! Ah, je sens que cette journée d'école va être interminable. Salut, Ed! Où est papa? Ah, bah, j'allais justement te poser la même question. Ah ? Ah, bon, bah, j'ai l'impression que ça va être à moi d'être gentille avec les invités. Jouer à la maîtresse de maison ? Voilà ! C'est cool, les écrivains, ça connaît toujours plein de mots. Oui, enfin, pas tant que ça. Tu veux que je demande à Reginald de t'apporter un truc à boire ? C'est gentil, mais ça ira. Oh, mais... je veux faire la maîtresse de maison. Ah. Bon, bah... d'accord. Comme tu veux. Ok, super. Je t'ai apporté tout le pichet, si jamais tu en veux. Waouh ! Quelle maîtresse de maison, dis donc ! Pouh ! Il fait une chaleur ! Surtout dans cet uniforme. Je reviens, je vais me changer. Est-ce que tu as des nouvelles de ton père ? Non ! Qu'est-ce que tu fous, Robert ?
T'inquiète, ce sera notre petit secret, je le dirai à personne. Hein ? Ah, Robert, enfin. Papa ! Je ne t'attendais pas si tôt. Mais tu m'as demandé... Qu'est-ce que vous manigancez ? C'est quoi cette histoire de secret ? Un secret ? Véronica ? Ed est arrivé en avance parce qu'il voulait faire des photos de moi dans mon uniforme pour un truc de son bouquin. Alors, il en a fait plein avec son téléphone et elles sont super jolies. Il y en a vraiment des très chouettes. Est-ce que tu veux les voir, papa ? Ça a marqué la fin d'une belle amitié. Robert a menacé d'appeler les flics, mais j'ai préféré le faire moi-même. Évidemment, ils m'ont arrêté. Mais en analysant mon téléphone, ils ont vu que les métadonnées des photos indiquaient qu'elles avaient été prises avec un autre appareil. Et les heures enregistrées ne collaient pas avec le témoignage de Véronica. Ils ont retrouvé dans mon sang la même substance que celle des médocs de Véronica. Et ils ont trouvé tous les comprimés jamais avalés planqués dans sa chambre. Robert m'a fait des excuses, mais nous avons décidé d'arrêter de travailler ensemble. Nous nous sommes éloignés. Peu après, Robert a fait interner Véronica en hôpital psychiatrique. Lorsque j'ai appris qu'elle était décédée, j'ai appelé Robert, par principe. Il m'a remercié, il a raccroché, et nous ne nous sommes plus jamais reparlés depuis. Et voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'est devenu Robert ces dernières années. Moi, si. Il est venu me voir après les funérailles de Véronica. Il avait besoin d'aide et m'a raconté son histoire. Véronica avait 2 ans quand Robert l'a adoptée. Je ne me suis jamais penchée sur sa vie d'avant, ni sur sa famille biologique. Mais j'ai un ami qui pourrait... Docteur, allez-vous vous décider à me dire ce que Véronica vient foutre dans cette histoire ? Véronica ne s'est pas suicidée à l'hôpital psychiatrique. Elle est morte il y a 2 semaines. Hein ? Véronica était Faye. Quand j'étais gamin, je me prenais pour un pirate déterrant des trésors fabuleux. Quand j'étais gamin, je me prenais pour un espion découvrant des infos confidentielles. Quand j'étais gamin, je m'étais inventé un personnage à qui je parlais. Devenu adulte, j'ai enfoui mon enfance. Devenu adulte, j'ai occulté mon enfance. Devenu adulte, le personnage que j'avais créé m'a remplacé et m'empêchait de parler. Mon père a sombré dans l'alcool. Mon père s'est perdu dans son obsession. Mon père a perdu le monde de vue. Mon père est devenu un étranger. Mon père était la raison pour laquelle ma mère était malheureuse. Ma mère ne pouvait plus le supporter et cherchait. Ma mère, pour tenir le coup, s'est mise à chercher en dehors de la maison. Ma mère ne méritait pas d'être traitée de la sorte alors. Ma sœur Jenny fut le fruit de ses recherches. Ma sœur Jenny n'était pas censée naître dans ma famille. Ma sœur Jenny est la seule chose qui... Mon père a réagi de la pire manière possible. Mon père a provoqué un accident qui a causé la mort. Mon père a délibérément tué ma mère. L'alcool a poussé mon père à provoquer un accident. Son obsession a poussé mon père à réagir. Ma mère et ma sœur sont mortes à Brody Canyon. Ma mère et ma sœur ont été assassinées à Brody Canyon. Mon père a voulu se libérer en sautant du même. Mon père n'a pas eu le courage d'assumer ce qu'il avait fait. Et il a fini par sauter du même. Les remords ont poussé mon père à sauter du même. Quand j'étais gamin, je me prenais pour un pirate déterrant des trésors fabuleux. Devenu adulte, j'ai enfoui mon enfance. Mon père s'est perdu dans son obsession. Ma mère ne méritait pas d'être traitée de la sorte alors. Ma sœur Jenny fut le fruit de ses recherches. Mon père a provoqué un accident qui a causé la mort. Les remords ont poussé mon père à sauter du même. Ma tante Claire a enfoui mon enfance. J'avais oublié ce que je ressentais. 27 années durant, je n'ai pas su qui j'étais. 27 années à écrire pour tenter de me cacher, juste pour me changer en quelqu'un que je ne suis pas, englouti sous les sarcasmes et les mensonges. 7 terminé. Thank you.
Je suis pas encore prêt à aller me balader en moto. Maman, pardonne-moi, je ne voulais pas. C'est pas de ta faute, mon chéri. C'est juste que, quand papa est triste, il s'énerve facilement. Jamais tu ne seras triste ou énervé comme ça. Tu me le promets? Je te le promets. J'avais tellement soif que j'avalais un verre d'eau grand comme ça d'un seul coup, maman. Salut! Devine qui c'est. Écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Oh, et j'ai perdu une boucle d'oreille. Si tu la trouves, rappelle-moi, d'accord? Peut-être. On verra. Cavalier en B6, Sam, vous êtes encore foutu. Où tu crois aller comme ça? Je t'ai posé une question et dit... Où tu crois aller comme ça? Tu crois que sortir de chez toi et affronter le monde fera de toi quelqu'un? Tu te fourres le doigt dans l'œil. Je te connais, fiston. Tu n'es qu'une merde comme moi. Tu n'es bon à rien. Tu ne sais pas comment aimer sans faire du mal aux autres. Tu bousilles tout ce que tu touches parce que t'en as vraiment rien à foutre de rien. Il n'y a que toi et ta douleur. Je ne te laisserai pas continuer à faire du mal autour de toi, comme j'ai pu faire. Mets fin à tes jours. Hey, chérie! Tu as enfin réussi à sortir. Viens faire un bisou à ta tante. Je savais qu'à nous deux, on y arriverait. Tout comme on a fait la dernière fois. Cette victoire ne nous revient pas. C'est le docteur Lomas qui a tout fait. Eddie, chérie, nous en avons déjà assez discuté. Tu devrais peut-être t'allonger un peu. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de m'allonger.
J'aimerais simplement que nous parlions de... Tu as pris ton petit déjeuner? Tu veux un jus d'orange et des toasts? Pourquoi n'avons-nous jamais parlé de ce qui s'est passé? De ce que papa a fait? Eddie, que t'ai-je dit et répété? Il vaut mieux éviter de parler de certaines choses. Tu préfères du bacon et des œufs? Lorsque maman et papa sont morts et que tu m'as pris avec toi à San Bernardino, je me souviens que nuit après nuit, tu me répétais à quel point maman et papa s'aimaient. Et qu'ils veillaient tous les deux sur moi depuis le ciel avec Jenny. Qu'ils étaient heureux de me voir heureux. Parce que je devais être heureux. Je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Mais ces souvenirs refoulés n'ont fait que lentement me bouffer de l'intérieur. Je suis fatiguée. Je vais aller m'allonger un peu. Tante Claire. Il y a des œufs dans le frigo et bien assez d'oranges. Après ma sieste, je préparerai un chili bien épicé. Je sais qu'on en a mangé il n'y a pas longtemps, mais c'est ton plat préféré. Tante Claire. Alors... S'il te plaît, Tante Claire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père, ni pourquoi il a changé comme ça. C'est arrivé si soudainement, en l'espace de quelques mois, 2 ans avant la fin. Sans raison, ni explication, ta mère et moi, nous avons tout essayé. Nous lui avons parlé, nous lui avons demandé, nous l'avons supplié, nous l'avons soutenu, nous lui avons offert de l'aide, mais malheureusement, nous l'avons perdu. Tout ce qui restait à ta mère, c'était toi. La possibilité que tu puisses encore être heureux en dépit de tout ça. Et lorsque nous l'avons perdu, j'ai fait de mon mieux. Je ferais mieux d'aller m'allonger un peu. Samuel, c'est toujours comme ça? Comment ça, comme ça? On met la pas, on balance la ligne à l'eau, et on attend, on attend, jusqu'à avoir une touche, si on a du bol, et puis on attend encore. Tu viens de décrire la tranquillité d'une parfaite journée de pêche. Bah alors, je crois bien que je préfère les échecs. Le ponton commence à prendre forme, ça vous plaît, monsieur? À votre place? Je convertirai cette structure en bar pour faire la fête jour et nuit. Et tout le monde dirait... J'ai été invité à une fête chez Ed Miller, hier, l'écrivain. Ce type-là, il sait vivre, tu peux me croire. S'il savait seulement. À quand remonte la dernière fois où l'on m'a rendu visite? Messieurs, vous êtes vraiment sûr que vous voulez qu'on la désosse, la cabane? Elle aurait seulement besoin d'un petit coup de peinture et de vernis. Tenez-vous-en au plan, démontez tout. Comme vous voudrez, monsieur. Ça aurait pu faire le bonheur d'un gosse. Où es-tu? Cavalier en B6, Sam. Vous êtes encore foutu. Eh ben, t'as vraiment oublié tout ce que je t'ai appris quand t'étais petit, hein? Oh. Pourquoi est-ce que j'oublie toujours qu'on peut roquer? Tu te défends, toujours en attaquant, hein. Le truc, tu vois, c'est toujours avoir un refuge pour tes pièces les plus précieuses.
Sans risque, jouer n'a rien de marrant. Sans pièces, la partie est terminée. Vous êtes un vieux bonhomme bourré de sagesse, Samuel Franklin. Vos conseils pour la pêche et les échecs ne parlent jamais vraiment de la pêche et des échecs, non ? Je ne suis qu'un vieux fermier inculte. Arrête de chercher un sens à ce qui n'en a pas. S'il y en a un qui fait des belles phrases ici, c'est plutôt toi. Je ne crois pas. On se ressemble plus qu'on en a l'air. Dans tes rêves. Au fait, je sais que c'est pas votre anniversaire ni quoi que ce soit, mais... Je suis tombé là-dessus l'autre jour, chez le brocanteur sur East Main. Et je me suis dit, Frankie Lane, les échecs, donc, vous voyez. Pour info, elle a pas mal de valeur. Alors, mettez-la en lieu sûr. Tu sais quoi ? Dans les années 80, j'étais convaincu que les Russes allaient tous nous faire frire avec la bombe atomique. Alors je me suis construit un bunker, sous le ranch. J'ai tout fait moi-même. Bref. Il y a de la place pour 7 personnes, de l'eau filtrée, un groupe électrogène. Personne ne sait qu'il existe. Même pas mon neveu Adam. Seulement Esther et moi. Pourquoi me parlez-vous de ça ? Regarde-nous. Quoi, regarde-nous ? Aucun de nous n'a... Enfin... Il nous manque à tous deux. On est comme une famille. À ce propos, j'ai rencontré une... Non. Non quoi ? Depuis quand le savez-vous ? Depuis qu'Esther t'a vu sortir du supermarché avec des couches dans le coffre de ta voiture. Ça fait une semaine que je lutte pour l'empêcher de venir te mitrailler de questions. J'ai rencontré une fille il y a quelque temps. Non. Le bébé est... Je ne sais pas trop par où commencer. Ne te bile pas. Prends le temps de mettre tes idées au clair. Mais bon, au cas où les Russes perdraient encore la boule, la fille, le bébé et toi, vous êtes tous invités dans mon bunker. Hein ? Alors mon gars, c'est ton tour. Tu la bouges ta pièce ou pas ? Merci, Robert, d'être venu tout de suite. Ouais, pas de soucis, j'ai sauté dans le premier vol. Tu sais quand c'est pour toi. Robert, voici le shérif Nick Reyes de Cerro Laïque. Enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'y a-t-il de si urgent ? C'est au sujet d'Ed ? Son état a empiré ? Robert, ça va te paraître un peu bizarre, mais... Te souviens-tu
souviens-tu si Véronica avait une cicatrice distinctive? Hein? Je ne sais pas trop. Pourquoi veux-tu savoir ça, mon ange? Monsieur Carrigan, il est ici question d'une cicatrice très spécifique, à la fesse droite. Chérie, tu peux pas entrer dans le jardin des Cernis sans permission, et encore moins pour emporter Skippy. Mais il avait chaud. C'est encore un chiot, ma chérie. Il ne sait pas bien nager. Et cette piscine est trop profonde. Madame Cerny a dit que j'étais une vilaine fille. Tu n'es pas une vilaine fille, ma chérie. Elle était juste fâchée et a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. C'est tout. Mais elle veut plus me laisser jouer avec Skippy. C'est qu'une vieille pique. Ma chérie, ils ont eu peur, c'est tout. Ils ont cru que tu voulais faire du mal au petit chiot. Mais je... Essaie de te mettre un peu à leur place. Imagine que quelqu'un s'amuse à t'emmener au parc sans la permission de ton père un jour où il n'est pas là. Et imagine ensuite que, Dieu nous en préserve, tu tombes du toboggan et que tu te fasses mal. Ne crois-tu pas que ton père interdirait pour toujours à cette personne de t'emmener au parc? Faut pas le dire à papa. Je veux pas que tu le dises. Je ne peux pas mentir à ton père. Et puis, il est important de toujours dire la vérité. Je le referai plus, je te jure, promis. S'il te plaît. Oh, ma chérie, si je ne lui dis pas, il le découvrira autrement de toute façon. Alors, je te propose un truc. Je vais mettre les serviettes à laver pendant que tu réfléchis à ce que tu voudrais manger, et ensuite, je te prépare ça en deux coups de cuillère à peau. Ça te va? Et imagine ensuite que, Dieu nous en préserve, tu tombes du toboggan et que tu te fasses mal. Ne crois-tu pas que ton père interdirait pour toujours à cette personne de t'emmener au parc? Alors, Véronica, qu'est-ce que t'aimerais manger? Je veux un double sandwich et du juicy red dans mon verre à fruits. Oh, un double sandwich et du juicy red dans ton verre à fruits. Tout a meilleur goût dans ce verre, pas vrai? Oh, oh non, quelle empotée! Oh, je suis désolée, ma chérie. Je vais chercher le balai. Ne bouge pas d'un pouce le temps que je nettoie ce bazar. D'accord? Je te rachèterai un verre exactement pareil. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Je crois qu'ils en vendent au... Oh! Bah tiens, voilà ton papa. Thank you.
Mary. Alors, quoi de neuf? On va ma petite puce. Elle va bien, Dieu merci. Mais il faudrait vraiment que je vous parle d'un problème un peu délicat. Papa, ça va faire une cicatrice. Tu sais, toutes les petites filles courageuses ont plein de cicatrices. Eh bien, maintenant, tu en auras une. Et puis, tu sais quoi? Elle sera en forme de V. V comme Véronica? V comme Véronica. Papa, Est-ce qu'elle est vilaine, Marie? Non, non. C'est juste que... Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. On va te trouver une meilleure nounou. Personne ne te criera plus jamais dessus sans une bonne raison. Je t'aime tellement, mon papa.